Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous comptons l'autre fois encore à Soya. Eh bien, rejoignez-nous pour l'autre édition Haïti 360. Émission pour là, émission qui invite à regarder plus loin que l'actualité. Émission qui décide de faire promotion, ça les connaissances utiles dans l'idée pour la démocratie capable de vivre bonjour et tout bon vivant dans le pays. Ya, et permettre que l'État de droit arrive à faire chemin. Et permettre que ça nous donne la stabilité politique avec le développement du pays. L'arrivée en réalité tout bon vivant. À ce moment-là, nous allons parler sur la question de la mort de Jean-Léopold Dominique. Nous connaissons 3 avril 2018, ça fait 18 ans depuis journaliste PDG Radio Haïti Inter, et même il était tombé en bas balle assassine dans la cour radio même. Depuis lors, en pile de demande fait de la part du proche journaliste, l'autre monde qui est dans la profession, pour qui Jean-Léopold Dominique est capable de joindre justice. Mais entre-temps, Vingéen, Vladimir Le Gagneur, qui sont jeunes journalistes, mais qui sont tombés récemment, bien que toute preuve qu'on établit sur question de la journaliste là. Mais en pile information qui bail t'a fait quoi que journaliste a ta mouri par rapport avec ça et DCPJ dit par rapport avec tout ça et différents porte-parole la police l'a rapporté et ben et journaliste Vladimir Le Gagneur à ce qu'il paraît ta mouri tout même Jean avec Léopold Dominique Jean Dominique par rapport avec exaction bandit et ben fait contre lui. C'est ça nous va à soya en une émission pour la Haïti 360 avec une thématique Jean toujours fait chaque soir qui c'est Jean-Léopold Dominique et ben pratiquement 18 ans depuis tout mon attend justice pour journaliste ça et une voix qui traversait plusieurs générations parce que Jean-Léopold Dominique c'est plus qu'un journaliste, c'est pratiquement un symbole en la profession aujourd'hui. Et ben nous va pour nous ça avec différents invités. Nous jeunes fait chaque soir des invités qui plus ou moins est spécialiste en dans domaine que nous même n'a développé pour soya. N'a fait ça après pause là nous va venir pour nous présenter aux invités et commencer avec débat Jean toujours fait sous télévision nationale d'Haïti. Jean-Léopold Dominique, yon voix qui traversait plusieurs générations. Eh bien, c'est sous question l'amour Jean-Dominique nous allons parler à soya. N'a pas rappelé, on va suivre Haïti 360. Et pour guider dans le débat, c'est toujours un nous, Lionel Edouard, qui pourra le mener émission, qui pourra le permettre tout. Que débat ça porte lumière et permettre que ou même ou capable positionner par rapport avec information que n'a gagné pour nous transmettre à soya en d'embrasser l'idée que nous allons faire autour de l'amour ça et autour tout de l'amour Vladimir Le Gagneur jeune journaliste ça que nous connaît et ben Jean Dabdia dans grand ravine par rapport avec opération de CPJ et DDO fait semaine dernière là mais qui t'a dit que t'a joint des restes qui t'a semblé Vladimir Le Gagneur et autant que mon chapeau tout qui t'a semblé chapeau que tu es dans tête journaliste là pendant que tu as fait reportage li en dedans et quartier ça qui est Grand Ravine. Nous parlons pour moi ça surtout avec Guilherme Selva, journaliste et représentant Reuters en Haïti, lui-même qui très et capable dit impliqué en dedans aussi par rapport avec démarche que l'a fait auprès des autorités policières et judiciaires, accompagnement que li bail madame Vladimir Le Gagneur et Guilherme Selva tout c'est un pionnier dans le monde qui kembe dossier et Léopold Jean-Dominique là en vie, que ce soit à travers la presse, mais également au niveau de la justice. Guilherme, et nous saluons et nous disons bienvenue en Haïti 360. Moi, monsieur Lionel, pour l'invitation. Moi, merci Télévision Nationale. Et c'est un plaisir pour nous là pour nous capables de faire le débat. Nous venons avec nous et secrétaire général AJH, Association des journalistes haïtiens, Jacques Desrosiers, qui pourrait aider nous à être piqué en dossier ça, par rapport avec ça, il y a comme information, par rapport à avec démarche que AJH a fait, que ce soit dans le cas dossier Vladimir Le Gagneur, là, mais tout dans le cas dossier Jean-Léopold Dominique, là, parce que AJH, qui croit faire, qui c'est peut-être association journaliste la plus large dans le pays, là, eh bien, il y a des informations, je pense, par rapport avec déroulement des faits au fil des ans et cheminement judiciaire dossier Léopold Jean-Dominique là, avec lui-même qui va gagner pour le partager avec nous. Jacques Desrosiers, avec un pile de plaisir, nous comptons recevoir sur plateau ça. Nous saluons Lionel, nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices et monsieur ça, et son plaisir pour me là avec Pasteur. Dossier Vladimir Le Gagneur, là, pour servir de prémisse pour nous entrer dans la question à soya. Et nous allons commencer avec Guilherme Sedelva. Guilherme, ou même qui pratiquement a en pile d'informations dans différents médias et en la capitale là, sous question Vladimir Le Gagneur, là, dis-nous, dans quel niveau le dossier ça a été, que ce soit au niveau du DCPJ, DDO et même au niveau de la justice. Bon, d'abord, je salue Jacques Desrosiers, les amis pas moins, qui c'est le secrétaire général à JH, qui penchait ce dossier dès le départ, ensemble avec l'association Photographio, Union
Union Journaliste Photographe Haïtien, avec Jacques Augustin, et il y a un collectif là, il y a plusieurs organisations qui mettent ensemble pour mobiliser sur le dossier ça. Eh bien, nous-mêmes, dans SOS Journalistes, nous connaissons fait depuis que les journalistes ont un problème, nous avons dû pencher sur lui. Et effectivement, nous avons besoin de retourner dans toutes les démarches qui étaient faites avant eux. Mais dernière nouvelle, c'est nous sommes capables de plus citer sur eux. Parce que avant hier, nous étions allés dans le DCPJ avec Mme Le Gagneur, Fleurette Guerrier Le Gagneur. Et côté, nous avons joint des informations, mais tout, il y a une nouvelle qui est capable de comprendre, très inquiétante. Et c'est question chapeau, on a vu sur lui. Mais avant tout, à nous saluer. DCPJ, parce que moi-même, je voulais prendre temps pour me faire, parce que ce n'est pas tout le temps nous reconnaître les gens qui travaillent, qui font des bagages positifs, qui travaillent nuit et jour pour chercher des résultats malgré les moyens. Mm-hmm. Et je salue l'inspecteur général Normil Rameau avec toute l'équipe DCPJ. Hein. Parfois, il doit 10h, 11h, pas minuit, et puis je suis à il dit mon cher, il est pas qu'il est travail. Juste pour le rassurer, pour dire oui, il n'y a pas de chita, il y a de travail. Donc cela veut dire que c'est des gens qui ont fait des sacrifices. Et ça a payé. Et qui, genre, il y a deux gens qui ont arrêté, justement, d'individus qui ont arrêté, en connexion avec Zach qui t'a fait contre journaliste, Vladimir Le Gagneur. Et puis, là, actuellement, pendant que je parle là, téléphone qui était en main, Vladimir, il en met des CPJ. C'est des bagages extrêmement importants. Et. Moi-même, plus ou moins, j'ai une idée de quelle stratégie vous menez pour faire des coups comme ça. Je m'étonne étant de quelle stratégie vous avez utilisée, que vous n'avez pas répété là. Mais franchement, je voulais féliciter l'équipe qui travaille dans le DCPJ, qui travaille sur ça. Il faut que nous saluions tout. Directeur général de police là, moi-même, Jacques, tu es là tout. Nous avons plusieurs journalistes. Nous avons chita avec DG police là, Michael-Ange Gédéon, qui t'a montré engagement la police. Pour vraiment arriver à faire lumière sur la question. Alors, Guy, permettre que nous enchaînions avec vos questions. Dis-nous, par rapport avec le premier indice que bon, vous peut-être été au courant au niveau de la DCPJ, dis-nous, est-ce que c'est simple banditisme ou bien c'est un complot, Jean Sabdi, en dans le milieu de la presse là, d'ailleurs, que nous-mêmes, nous tous là, et nous avons bien là-dedans. Bon, il n'est pas évident que c'est un complot, bien entendu. Baronne, est-ce que tu connais nécessairement de Balvini? Bon, il y a qui dit que pour sortir avec que lui-même le terrain n'est pas joint ou bien qu'il t'a lui-même en difficulté. Il y a des informations, il y a toutes les informations. Mais il y a deux personnes dans le CPJ qui après l'interroger, certainement, il y a des informations que vous pouvez gagner. Mais ça pour nous, c'est que c'est le zone dans tout. Est-ce qu'on peut accepter de nous dire qu'on est zone de non-droit, journaliste pas aller, ou bien l'autre monde pas aller, comme si on abandonne les gens, comme si les gens sont otages des groupes de gens armés curieux, personne ne peut aller l'autre bois, la presse pas aller faire travail pour la relater, qui problème qui l'autre bois pour l'État assister les gens. Donc nous pas dire pour accepter qu'on est zone de non-droit. Donc certainement, Vladimir, le gars était à faire travail et gagner des bandits, c'est fun deal. Qui eux-mêmes estiment peut-être que sont capables de continuer à bénéficier de règles impunité. Ils ont toujours observé bien le pays. Et bien, ils ont dit, même Jean-Dominique est mort, Brian Lindon est mort, Jacques Roche est mort, ils ont comme si on a du justice la plalose, c'est son règle impunité. Bon, il a dit, bon, ils ont le droit pour tuer Vladimir Le Gagneur. Peut-être qu'ils ont fait l'autre acte toujours. Il y a l'autre monde qui est victime, ce n'est pas journaliste seulement. Donc, je pense que les plus, tu dans le cadre de. On a dit continuité ou bien on a dit conséquences, règle impunité qui gagne, qui fait des bandits, capacité comme ça, vous pensez qu'à tuer le monde, n'est pas seulement journaliste. Parce que j'ai été des ossements dans la zone Polina, dans Gravine. Tu as un bon ossement là, c'est-à-dire que les gens habitués à tuer. C'est pas la première fois que ce type de bagarre est fait dans la zone. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc... Alors, permettez que nous enchaînions avec Jacques Desrosiers. Jacques Desrosiers, par rapport avec information, indice, premier indice qui commence à tomber dans le cadre d'enquête que la direction centrale pour les judiciaires a mené, est-ce que, ou même qui a dirigé une association qui est là-dedans dans le pays journaliste, vous pensez que
journalistes qui bénéficient d'un régime de protection spéciale, je ne vous dis pas, par rapport à la situation difficile ça, que y a fait face dans le cadre d'exercice professionnel. Je pense que les journalistes, là, même gens, tout l'autre professionnel, même tout citoyen, est supposé en mesure pour que les faits travailler quel que soit côté. Moralement, il y a une protection spéciale pour les journalistes. Parce que si il y a une protection spéciale, il parle de journalistes en difficulté pour faire travailler avec objectivité que est nécessaire. La question, c'est que pour gagner sécurité dans notre pays, il faut permettre que n'importe professionnel qui fait travailler, quel que soit côté, à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est important. Mais par rapport à l'ensemble d'informations et diverses de là, il parle que de la police. Ah, mais il y a des informations. Non, parce, c'est, non, parce que là, là moi, inquiet, des directeurs départementaux là, directeur départemental de police, le stage de la police, la question journaliste qui m'a dit que est-ce que il a arrêté des mondes, il dit que beaucoup au courant. Il est beaucoup au courant. Il a pas demandé le tout, est-ce que chapeau, il peut-être dans la presse, que il dit que chapeau, c'est madame, il dit chapeau. Donc, il y a des informations qui font très sceptiques par rapport avec les gens d'information qui ont circulé, les gens de la police qui ont traité qui sont ça, les mêmes que moins peu, peu vraiment pour que la vérité a vraiment pas qu'à établir dans le cadre de ce qui est passé, Vladimir Lekarian. Nous avons que nous était clair, que nous n'avons pas parlé de ni l'un mort de Vladimir Lekarian, mais toutefois que l'enquête judiciaire, la police, pour qu'on officiellement dit. Mais ça rejoint dans le résultat enquête qu'il y a fait. Très bien. Alors, nous voulons être prudents par rapport avec le fait que l'enquête judiciaire a beaucoup établi, de manière péremptoire, que Vladimir Lekarian lui-même a mouru. Donc, nous étions toujours très optimistes en dans et corporation à ce que Vladimir lui-même l'État toujours vivant. Jacques fait état de scepticisme par rapport avec l'éventualité que. Et Vladimir, tu as vivant, est-ce que vous partagez cette histoire que Jacques lui-même est allé là? Bon, Femdjo, les grands crimes qui posaient dans mettant la police, la première entité qui concernait dans la police, là, c'est DCPJ. Et je regarde, c'est DCPJ lui-même qui s'est mené enquête là. C'est vrai, capable d'intervention, l'autre entité de la police, là, par exemple, ben, c'est l'intervention que DDOT fait et avec certains. Instruction du directeur général de police. Parce que l'NDA allé rencontré avec le directeur général, il était fait mention de l'opération qui était faite là. Donc, l'opération, ça, c'est permettre de récupérer le chapeau et peut-être d'autres éléments. Cela veut dire que chaque entité gagne un travail par la fait, mais DCPJ, c'est lui-même qui vraiment concerné dans l'enquête. Qui m'a manqué. Oui, qui m'a manqué. Et ça, comme tout, il travaille toute la nuit. Et moi, j'étais toujours en contact avec eux. Et justement, c'est eux-mêmes qui étaient les nous pour venir vérifier la question chapeau. Par exemple, effectivement, l'un était allé avant-hier dans le DCPJ. Nous étions entrés dans la salle. Il y a quatre enquêteurs là et qui travaillent sur le dossier. Et puis, moi-même, avec Mme Legailleur, nous étions en chita. Certainement, fait procès verbal, etc. Fait un sien. Après ça, tu as un sachet. Pas un sachet, non. Un gros feuille papier. Non, si il y a le papier sucre en Haïti, hein? Mm-hmm. Ou le papier sucre, ouais, le papier un peu l'eau. Mm-hmm. Donc, tu as un bagage là-dedans, et c'est chapeau que tu es là-dedans. Tu mets le sous table là, et c'est au moment forme qui est aux gens, qui est difficile. Côté, tu mets le sous bureau là, et puis, enquêteurement, dit Madame le gagneur, est-ce qu'on reconnaît le chapeau ça? Bab Bomanti, je garde Madame là. Et c'est une grande tristesse. L'abgade chapeau, il faut silence malgré poser la question. L'abgade chapeau, et puis effectivement, après ça, l'obligé de reconnaître, il dit oui, c'est exactement chapeau ça qui était en tête. Vladimir Lekarian, Jules t'a quitté la Kaeli, qui était 14 mars 2018. Là. Alors, et malgré tout indice, ça, Guilherme Sedelva, est-ce que DCPJ permet bon l'espoir toujours? Bon, il y a même eu le fond scientifique, je me parle avec l'inspecteur général Normil, Lamour, qui dit nous, même il n'y a pas qu'à déclarer, parce qu'il est obligé de fond scientifique. Il faut prouver, qu'on a prouvé, c'est avec DNA, avec test ADN, qu'il a fait, il a fait la l'étranger là actuellement. Et donc c'est à partir de ça que même il est capable de faire comparaison avec la famille qui est ici, etc., pour voir comment. Il est capable d'établir ça scientifiquement. Donc, si ce n'est pas quoi, il y a identifié quoi.
ou bien c'est pas DNA qui capable permettre yo identifier yo même yo pas arrêter carrément yo déclarer yo dit le monde mais ben mon état avant nous-mêmes nous gagnons une ligne de téléphone tout que nous t'ai ouvri ou comme ça côté il y a pile monde qui est là-dedans qui bail des informations et côté ouais que la police est allée nous gagnons des messages nous gagnons des monde qui relé qui t'ai indiqué ça déjà et avec chapeau amdou qui joint justement dans le milieu ça sous ossement dans la zone côté même côté ossement était et deux fémurs que je joins tout qui t'ai gagné cher encore frais sur lui et avec tout reste information nous collecter sur ça qui menait même côté là m'pas capir en toi comme si m'da dit pour me déclarer formellement etc. mais nous très pessimistes sur ça nous gagne pile mais miracle pour nous venir vraiment son miracle pour nous dire nous joindre Vladimir le gars qui est là. Alors et nous entendons des déclarations de Guilherme Cédelva par rapport avec proximité tout le gagné dans l'enquête que le CPJ a mené, il y a un monde qui est allé en dans le CPJ accompagner madame Vladimir le gagné pour recueillir information et ben il est très sceptique à éventualité pour nous joindre Vladimir le gagné vivant. Mais nous obligé continuer à espérer parce que tout pendant il y a beaucoup d'établissements scientifiquement que Vladimir mourit, eh ben, et l'espoir toujours permis dans le cadre de c'est ça. Jacques Desrosiers, dernière question pour aller très rapidement avant de changer de sujet. Dis-nous, semaine dernière, tu as une marche qui était organisée pour nous justement demander aux autorités, pour nous prendre responsabilité, pour nous chercher Vladimir qui est à côté de l'IA, pour nous remettre les bails familles. Est-ce qu'il y a une autre action comme ça que AJH ou bien Union des photographes journalistes qui était très impliqué tout en dedans et marche ça, eh ben, il prévoit pour non seulement accompagner et madame Vladimir Le Gagnon, mais tout pour continuer à demander justice et à ce qu'un procès sérieux capable de gagner, capable de arriver dans le jour qui vient, ou bien dans le mois qui vient, dans l'année qui vient, pour les gens qui ont commis le crime. Non, si Vladimir est mort, il est capable de répondre aux accusations. Tout le monde dit que une fois que l'Union nationale des photojournalistes et la conférence de presse qui a annoncé que ce ça, AJH lui-même au niveau, tant au niveau national et international, a mobilisé tout allié que le gagné. Au niveau international, nous avons alerté la FIJ, la Fédération internationale des journalistes. Des journalistes et puis gagné FEPAL, qui est la Fédération latino-américaine de la presse, et même tout qui gagne une campagne internationale. Qui a fait même j'avais non qui était capitaine qui a demandé côté Vladimir passé capitaine que l'autorité policière a dit côté Vladimir passé nous même au niveau association journaliste haïtien au niveau UNGPH qui s'est affilié dans AJH que nous étions vigilants n'attend et résultat enquête et ce que il pas aller indéfiniment côté là n'attend qui gon mon cap rivé si pour n'a gagne pour agir pour nous rappeler la police que n'a tant et que n'a continuer à alerter à allier que nous gagne tant national au niveau international pour sous question ça sous vigilance que nous gagne n'a tant autorité policière pour nous que qui s'acrivé Vladimir les gagneurs. Jean-Dominique, on voit qui traverse plusieurs générations haïtiennes, c'est dans thématique là nous allons tomber mais avant nous faire ça pour nous capables de bien débattre et pour nous permettre de nous piquer en la thématique que nous avons pour nous développer ensemble avec vous, nous avons permis de suivre un papier que la Télévision nationale d'Haïti a réalisé autour de la mort de Jean-Dominique, 3 avril 2000, 3 avril 2018, ça fait 18 ans. En nous suivant ça. Depuis l'année 2000, plusieurs juges d'instruction déjà passé sous le dossier assassinat et ça. Malgré défiler diverses personnalités devant la justice dans quatre dossiers ça, aucune décision pour que sorti n'en faveur famille victime nan à corporation journaliste. Pour kounya, c'est un dossier qui trouvé dans niveau la Cour cassation depuis 4 l'année. Avec juridiction ça qui manqué dans même lieu, dossier apparaît bloqué et puis doit être effectif la Cour cassation en complet pour l'avancer. Diverses initiatives déjà prend pour supporter ensemble démarche pour aider famille journaliste là à garder radio à joindre justice. C'est qu'à formation une commission enquête qui t'a là-dedans, sept journalistes avec l'autre personnalité sous administration ancien président René Préval. En attendant la Cour cassation gagne tout même li, c'est un dossier qui paraît chaque mois avril à conférence débat des projets Flair. C'est dans date 3 avril 2000 bandi exam tétouyé journaliste là ensemble avec gardien station devant barrière radio.
Haïti 360. C'est l'émission ça va suivre dans le moment ça. Pour Guido, on a un débat, c'est un mot Lionel Edouard. Dans l'idée pour nous permettre que il y ait plus de lumière qui établit autour d'une série de dossiers, nous pensons qu'il intéresse particulièrement. Achoya a parlé de la question assassinat Jean-Léopold Dominique et éventualité la mort de Vladimir Le Gagnon. Nous avons fait le point autour de la question de Vladimir Le Gagnon. Mais qu'on y a un nouvel chita sous dossier Jean-Léopold Dominique là. Guilherme Sedeva, pratiquement 18 ans d'enquête et d'instruction dans le dossier, pratiquement une dizaine de juges, journée aujourd'hui au niveau de cassation. Dis-nous, dans le premier moment, qui vient s'atteler et comment arriver avec un pilote acteur dans la société civile là, permettre que le dossier ça reste en vie. Bon, il faut me dire que depuis le juge Jean-Dominique Mouria, je suis dans le dossier et jusqu'à présent, nous n'avons jamais fait un jour pour ne pas travailler, même si ce n'est pas un dossier qui a bloqué quelque part, comme il est bloqué depuis 4 ans au niveau de la Cour de cassation. Mais nous ne pouvons jamais laguer, nous toujours assurer nous que les gens qui prennent la responsabilité prennent les, même si très souvent nous avons des obstacles. Et nous sommes capables de dire, comme on dit, environ une douzaine de juges qui passent sur le dossier. Des fois, il y a qui abandonnent le dossier parce qu'il y a une menace. Il y a d'autres qui abandonnent parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a qui abandonnent pour plusieurs qualités, d'autres raisons. Mais toujours est-il, du grand blocage, blocage de la politique, les capables administratifs, les capables n'importe qui, l'autre cause. Alors, ça m'a dit, je veux dire, avant même de me retourner sur quelque fait pendant le dossier, satisfaction, pas même, je veux dire, c'est qu'après 18 ans, même si le temps passé, mais procès Jean-Dominique Lambert a fait en Haïti. D'ailleurs, tout le monde comprend ça. Procès Jean-Dominique Lambert a fait en Haïti avant trop longtemps. Avant alors, longtemps, vous parlez de blocage, de menace. Est-ce que il y a des enquêtes qui menaient pour établir clairement qui monde qui auteur de menace qui monde qui entrait dans démarche de blocage pour permettre que dossier ça arrive à terme. Bon, même pas vraiment mettons rien parce que Guillaume Pilbaï on a dit et parce que faut ne pas les clés, même obligé me parler clair sur monde voulait. C'est objectif c'est l'histoire. Oui, sans monde voulait faire bon monde qui l'a fait ça voulait des bandits qui l'a décidé à tirer, à tuer monde comme habitué tuer monde, mais même ça n'a bien faut que nous dire. L'éclair, moi-même depuis 2007, après l'installation de la commission, que tu as parlé dans le reportage là, côté nous, le président René Préval, tu as embrassé l'initiative de la journaliste pour mettre en place un comité, une commission qui a travaillé sur le cas journaliste qui a assassiné, y compris le cas Jean-Dominique. Et là, après l'installation du comité, moi-même, nous avons commencé à rencontrer. Alors, nous avons toujours fait ça, comme dans les journalistes, mais. Et le de l'AGH tout avant, parce que le Jean-Dominique mourit, et ça c'est moi qui était responsable de l'AGH. Donc ça veut dire que nous, là ça me commence à chercher par la monde pour chercher à comprendre qui s'en cajoune comme résultat de l'enquête. Mm-hmm. Donc c'est ça. Eh bien, un jour, dans la radio Caraïbe m'a parlé, pendant la radio Caraïbe, un citoyen qui le citoyen dit, mon cher Guilherme, tandis que vous avez parlé d'un dossier là, et m'apprécier courageux, tout effort à faire. Moi-même, personnellement, dans mes dos, bonne contribution, pas dans le dossier. Pas qu'on est individuel, ni en fait, ni en perdu. On a un rendez-vous avec elle dans l'hôtel Le Plaza. Là, je vais expliquer un paquet de bagailles. Des bagailles concernant le dossier de mon côté, là, moi, Jean-Dominique sorti. Et je vais expliquer mon bonne bagaille. Même pas qu'on est individuel. Mais dans qui côté de Dominique sorti? Dans la Valasse. Pendant ce temps, moi, je ne sais pas quoi ça. Je me dis, bon, je dis individu, ça ne pas qu'on est en perdu. Les gars, ils doivent dire ça, je quand il y a un kembe, je note tout ça, je me kembe, et puis je ne vais pas m'occuper vraiment. Le plus gros choc que je pense que je recevais dans la vie, c'est l'homme à l'encontre de Jean. Parce que pendant que je fais contact, il y a des gens qui disent mon chef, tu as fait contact avec Oriel Jean, Oriel Jean, il y a des informations dans la main. Je suis allé, je cherche contact, je suis allé à Oriel Jean, qui était en Floride. Puis je suis parti, je suis allé à Oriel Jean. Et pas où il y a seulement mal New York, tout le monde rencontre l'autre monde, mal Boston, tout le monde rencontre l'autre monde. Il y a plusieurs autres monde qui étaient ici en Haïti, qui étaient dans des postes bien clés, nous ne parlons pas avec eux. Donc on est là, le monde veut que nous soyons là, d'accord, pour Nchita, on allait, côté Nchita. J'ai expliqué des bagailles. Le plus gros choc là, c'est que des bagailles où il y a là, expliqué, ces bagailles citoyens, ça a été expliqué. Ok. Je ne suis pas saisi comme ça, parce que. Moi, je suis des citoyens, citoyens pas connaître le côté Oriel. Mal au côté Oriel, Oriel pas connaître rencontrer citoyens. Il y a des bagailles, franchement, c'est gros choc.
Le mot en Haïti, me font une déclaration, me dit bon, si nous rappelons la nouvelle liste en Poélie, quand elle me dit vérité sur la moi dominicain proche, parce que tellement web clair. Alors, Guy, l'étape importante que tu as partagé, Jacques Nabin Sourou, nous parce que le débat est vraiment, je ne dis pas équilibré, mais Guy a développé un projet extrêmement intéressant là, en réalité avec Guy. Guy, dis-nous, en gros, et par rapport à l'information que vous avez là avant de mourir, qui ça nous veut qui est alors, c'est, oui, mais ce n'est pas seulement l'information au Yel Bay. Il y a l'autre monde qui a l'information, il y a l'autre témoignage qui fait, mais il arrive que Ouriel, c'est un chef de sécurité, ancien président Jovenel Aristide, donc vous êtes capable de comprendre, c'est un témoin vraiment extraordinaire. Mm-hmm. Donc, monsieur expliquait, il t'a expliqué l'antipla, il expliquait juge d'instruction entre les vitesses de la Brésil, que puisqu'il n'y a pas d'élection en 2000, pour le pouvoir en 2001, donc Jean-Dominique, je devine Noël comme un obstacle parce que là, il a parlé de dossier, des bagailles à critiquer Aristide, il a du paquet de paroles qui part entrer dans le sentiment tabac. Donc, il a commencé Noël comme une bête noire. Mm-hmm. Et donc, Jean-Dominique, même, on connaît qui est Jean-Dominique, les mêmes, ça l'a dit à l'Abdil. Et Auriel Jean expliquait que M. Aristide explique, dit lui, et bien lui-même seulement dit ça, dit, il dit, l'Abdil, nous nous avons tout lieu ça. Mm-hmm. Que et Jean-Dominique là, s'il n'a pas fait mes bouches li, a fait de pour reprendre le pouvoir en 2001, c'est projet ça la boue l'huile. Soit le temps de TEP, Auriel Jean va pouvoir attendre ça, le exactement. TEP là sur Internet, là, n'importe quoi, qui a attendu. Il dit, il faut que ferme fermes bouche Jean-Dominique. Quand il y a là, il vient parler avec Auriel, Auriel expliquer que monsieur dit, il faut fermer bouche Jean-Dominique et le monde qui est responsable des dossiers Jean-Dominique là, c'est Madame Milan de Berouche qui est actuellement à Trouville aux États-Unis, qui est juge d'arrêt de plusieurs fois, elle va venir. Donc, opération fermée bouche Jean-Dominique qui est lancée. À partir de qui période non, laisse ça, avant la mort Jean-Dominique. Ok. Okay. Donc, là, en 19, et oui, oui. Okay. Avant, parce que l'élection pour la fête, dans la période côté élection pour la fête, et le moment a commencé à avancer. Et puis, quand il y a là, il a déclaré qu'il faut fermer bouche Jean-Dominique. Quand il y a là, Auriel même expliqué, il dit bon, lui-même, il pensait comme si c'est peut-être une opération pour faire pour apprendre des monsieur, ou bien, par le graffiti, ou bien faire l'autre c'est de bagaille pour dire genre. Mettre pression. Oui, mettre pression sur lui, ou bien dénigrer lui, ou bien, par contre, Auriel, Jean, il n'a pas parlé, il a expliqué que c'est là que Milan Libéry lui demande, mon cher, il y a telle opération là, il faut qu'il y ait moyen. Moyen, parce que Auriel Jean sait que tu as une machine, matériel, machine, l'argent, tout, que le président Préval de Konbali pour occuper de sécurité, et M. Aristide, etc. Donc, M. de Konbali a un problème pour Baïsao. Donc, M. a expliqué que Milan Libéry lui demande pour qu'il y ait le moyen pour le faire. Travail que le besoin. Par rapport à la déclaration qu'il y a, Jacques Desrosiers, et ensemble d'informations que Auriel Jean, parce que l'interview, ça, son interview qu'il a assez longtemps pour un montant de lit, je suis sûr que vous partagez pour un sentiment de foi. Je dis, ou même comme un journaliste tout, et qui place nos positions pour défendre le journaliste, qui Jean et où est dossier Jean-Dominique là, et qui démanche à JH à travers les ans, fait pour permettre que le dossier ça avance. Bon, on peut parler de dit là que Auriel Jean te raconte lui, nous te lis au matin, nous avons revisé les archives, nous avons déjà depuis 2001 gagné une association intercaribéenne, intéraméricaine de la presse, qui a fait une enquête, qui a fait une toute enquête autour de Ramon Jean-Dominique, qui a en pile l'élément ça, qui a raconté déjà par exemple, question que Fok, le fameux bouge de tout le monde qui a raconté une enquête journalistique déjà depuis en 2001, qui a été en parlé. Mais moi-même, comme journaliste, que moi-même j'étais là, que même toute corporation qui est née souhaitait que gagner un procès qui fait de sous et la mort de Dominique. Alors, 18 ans après, on est toujours optimiste. Optimiste en procès. Okay. C'est vrai que nous n'avons pas gagné un procès que nous avons souhaité. Hein. Parce que l'ENAPLI, première ordonnance qui est sortie, juge Benassin qui est sorti, l'ENAPLI et enquête et journaliste qui ont fait à l'époque et ordonnance qui est sortie. Hein. Il y a un paquet de bagailles qui fait que. En plus de difficultés pour nous arriver vraiment, vous voyez clair,
Non, moi-même, il y a un procès qui est organisé. Même si un procès est organisé pour deux raisons. Premièrement, pour qu'il y ait quelques bagages qui parlent, quelques paroles qui parlent. Et deuxième bagage là, pour même lancer un signal. Un signal que n'importe qui a fait crime, pour connaître que quel que soit le nombre de têtes passées, que y a un procès qui fait. Mais, arrêtez de penser que y a un procès qui est capable de permettre que vous identifiez le vrai auteur intellectuel que moi je voudrais. Et sceptique solide, dans la mesure où on ne peut pas appeler ordonnation, on appelle interview, ça par référence qui est là, des gens qui étaient arrêtés, des gens qui disparaissent dans la question. Que, oui, que y a un procès sur Jean-Dominique. Un procès pas total. Mais on ne peut pas croire jusqu'à ce que le procès soit organisé, que le procès a vraiment à permettre que nous identifier réellement les auteurs intellectuels, vraiment, parce que, bon exemple, l'un des ordonnances et juge Bernard Saint-Ville, là, beaucoup arrivé là-dedans, parce qu'ils sont à peine au fait de lui, l'homme a dit ça, il y a des éléments clés, par exemple, des éléments clés qui gagnent dans le cadre d'assassinat de l'homme, qui disparaissent, par exemple, c'est pour que Jean-Hubert Lalanne, par exemple. Okay. Jean-Hubert Lalanne, c'est un monde que vous présentez, qui est en sorte d'intermédiaire. Or, il mourit non façon douteuse, que vraiment, il n'y a pas qu'elle ne dit ce qu'ils sont en mode. Et pendant toute période là, tout, il y a un ensemble de monde qui ont été arrêtés, il y a un ensemble de monde qui ont identifié, un ensemble de monde que ordonnance ont été cité, qui ne pas quoi qu'il a toujours. Donc, par rapport à toute question ça, oui, à bon procès sur Jean-Dominique. Oui, il faut bon procès sur Jean-Dominique, mais moi, par exemple, moi, j'étais quoi que un procès qu'on a après 18 ans, par tout élément ça que nous dit là, que par quoi la permettre vraiment que nous voyons une vraie hauteur intellectuelle assassinat Jean-Dominique. Alors, démocratie, Guy, qui est dire parce que nous allons tourner en un débat. Mais démocratie, il faut que tout le monde comprenne ça, pas qu'à fonctionner sans circulation d'informations. D'ailleurs, son système même qui chita sous transfert d'informations entre autorités avec citoyens, pour permettre que les citoyens soient capables de réagir et permettre que la démocratie arrive plus loin. Un journaliste qui mourit, c'est frayeur en corporation, son blocage libre, pour permettre que liberté d'expression, mais tout le monde capable de jouer pleinement, parce que la presse est un maillon extrêmement important dans la jouissance, liberté ça. Nous allons regarder avec Liliane Pierre-Paul, il y a un monde qui côtoyait Jean-Dominique. Eh bien, qui ça, lui-même, il était senti dans le moment ça, 3 avril 2000, le Jean-Dominique était tombé en bas balle assassin. Et après l'intervention de Liliane, n'a pas retourné pour nous continuer avec le débat, parce que l'objectif là, c'est aider plus ligné blague autour du dossier. Nous avons qui marqué tout le monde qui était en contact avec lui. Et moi, j'ai fait longtemps de collaborer avec lui. Et c'était très jeune, les rencontres ont été faites. Et je suis capable de dire d'abord de contenter dans la radio, il est déjà inspiré. Si dans la profession, ça, c'est un monde qui inspire. Parce que l'heure que vous êtes jeune, vous avez des gens qui ont fait éditorial, vous avez des gens qui ont fait animation, ou pas l'autre métier qu'on a fait, ou même c'est un journaliste, ou même Jean-Avel. Et donc, pour dire que, à quel point que monsieur Marquem, et puis, et dimension monsieur, dimension intellectuelle, et monsieur, et capacité politique li, et profondeur analyse li, et façon que monsieur tout est appréhendé et Haïti, un pays que le connaît très bien et le connaît sociologiquement population, tout c'est des éléments qui marquent profondément et qui déterminent tout dans formation PAM en tant que journaliste qui t'a collaboré avec elle pendant longtemps. Bon, dans le dossier, j'aime pas parler de inertie, parce que j'aime parler de préférence et d'un pile bouleversement qui vient dans le dossier. Ça, l'opre valait moun qui mourit, parce que yo te dit qu'il y a des éléments de formation importants dans main yo et qui disparaissent. Et c'est son dossier, c'est un petit dossier, petit, son dossier extrêmement compliqué. Et pendant 18 ans, ça tout, on a regardé le nombre de juges qui passaient sous lui. Et qui est obligé d'abandonner le dossier parce que y a une pression, une persécution. Moi, je crois que ça a montré que force et secteur et qui élimine les gens, gens que le puissant dans le pays, et je crois qu'il a lié tout à l'impunité, qui sont gros draps en pile monde couvrir en balle, parce que quoi il a dit assassin y a dans la ville là. Et il va bénéficier de toute impunité que le pays d'Haïti baille et dans tout dossier, et dossier ça particulièrement.
Parce que moi, je crois que Fox sont puissance qui est capable d'empêcher que le dossier aboutit. Parce que dérivé là, non, point depuis 4 ans, il y a des gens qui ont culpé la donne, et puis pas rien qui bougeait du tout. Et nous, on s'est dans l'autre dossier, quitte ce dossier Briol Lindor, quitte ce dossier Jacques Roche. Pour que l'autre dossier, même, il n'y a pas vraiment du tout, pas de gens qui ont enquête, qui ont souffert assassinat Gastner Raymond, et 1er juin 1976, il a découvert Col dans une brache, dans la route pour le Léogane, alors que l'autre a une enquête. Et sous et syndicat ouvrier qui a travaillé dans la minoterie, dans le ciment d'Haïti, dans ce qui a fait grève. Et sous prend Ezekiel Abelard, lui-même, il n'y a pas de colle, il disparaît. Dans ce qui concerne les professions, professeurs journalistes, pourquoi j'aime bien qu'un dossier qui aboutit à un procès, non? Pourquoi j'aime bien qu'un dossier? Mais qu'on est là, non, plein dans l'autre dossier, qui c'est le dossier Vladimir Le Gailleur. Nous espérons que le procès a fini et par fait. Nous espérons ça. Nous voulons qu'il y ait espoir. Ça. Et un proverbe et créole qui dit tout en tête, pas coupé, pas désespéré, mais de chapeau. Et nous croyons, mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Tout. De acteurs qui occupent l'espace politique. Là. Il faut qu'ils soient déterminés et pour obtenir, si vous voulez, et pour que genre de dossier comme ça capable de débloquer. Parce que docteur de Guilherme Delva qui t'avait expliqué tout et juge en pile fois yo peur parce que pas conseil de garantie. C'est pas affaire de gain machine et pour déplacer pas ça seulement, mais c'est toute intégrité moun nan et qui est menacée non genre de dossier comme ça. Et ouais en pile cas de moun qui t'a témoigné qui disparaît donc ou pas qu'à connaître. Et qui genre de pression yo capable ap fè sur ces de moun ki gen dossier nan men yo. Gen tout ça tout faut gon l'état qui garantit ça. Mais moi kwè après bon temps ap gon procès k'ap fèt. Procès Jean Dominique là est capable gon procès général pour tout moun sa yo ki assassiné que pa jam gen justice ki fèt. Mais quoi ça ka fèt un jour. Haïti 360, c'est l'émission ça va suivre dans le moment. Nous avons avec nous sur le plateau pour débattre autour de l'amour Jean-Léopold Dominique et de Vladimir Le Gagneur, Guilherme Sedelva. Et avec nous encore, nous avons Jacques Desrosiers, un mec qui a porté un pile éclairci autour de l'amour de et pour tous les garçons, ça y est, chaque domaine par eux, mais qui te permettent que vous-même, comme monde qui consomme information, tu as une information de première main, information de bonne qualité, qui te permettent que vous-même, tout, vous êtes capable d'avancer dans l'espace social. Guilherme Sedelva et Jacques Desrosiers, bon point, ni nous ni Liliane, nous pratiquement d'accord sur lui, c'est le fait qu'on joue quand même à bien, ça nous est un procès Jean-Dominique. Mais Guilherme Sedelva, et même Jean-Jacques t'a avancé tout à l'heure, Liliane a avancé le tout. Il y a pile monde, un pile témoin clé dans le cadre de dossier ça qui disparaît. Et en plus, je ne vous dis pas, dossier a bloqué au niveau de cour de cassation. Milad Libérus, qui est un personnage clé dans le dossier, a toujours été souligné tout à l'heure. Il n'est pas dans le pays, il n'y a juge pas qu'à interviewer. Il dit nous, ce qui ça optimiste en Chita. Bon, il faut me dire que il y a une entraide judiciaire. Et ça veut dire entraide judiciaire. Et ça veut dire coopération avec Interpol à travers Interpol. Entre police et à travers le monde, Madame Libérus, par au-dessus de la loi, elle supposait qu'elle vienne répondre à la question de la justice. S'il ne parle pas de gré, il faut qu'elle vienne un moyen pour mener le vini pour répondre à la question de la justice. Mais pour qui ça, pour question concerne, est-ce que pour les gens qui disparaissent dans le dossier, des témoins clés. Des témoins qui disparaissent, eh bien, Mkadjou, bon, heureusement et malheureusement, parce que nous-mêmes, nous avons besoin de tout le monde, la hauteur matérielle et tout, pour être capable de juger. Mais, je ne vais pas mentir, pour nous, hauteur intellectuelle est plus important. Pour qui ça? Parce que si pas une hauteur intellectuelle, il y a des gens qui planifient le crime pour faire assassinat, pas bien assassinat. Donc, et hauteur intellectuelle, conviction pas, c'est que là, il n'y a pas loin. Donc, il y a des auteurs intellectuels qui l'ont. Donc, ça dit que, pas gagner rien pour faire, pas qu'à arrêter eux, pour eux, appliquer la loi contre eux, juger eux et condamner eux selon la loi. Je ne dis pas faire aucun monde abus,
si on t'apprend moun yo a pas accusé moun y a jugé moun y a condamné moun et puis moun ça c'est pas lui qui t'a participé dans crime ça mon cher c'est un gros désastre que moi t'a gagné pour moun qui t'a fait crime dans la télévision et puis l'a regardé y a condamné l'autre moun c'est pas ça l'a cherché mais sous bon dossier tout juge qui vient sous dossier gon une grande direction pour aller son complot vrai c'est on pas connait si son complot fait bien mon cher juge ça faut ta marche à Mario tout. Alors, permettre que venir avec point ça, Guy, dans l'ordonnance du juge Vicel de Brésil, pour t'appeler tout à l'heure, il y a des noms qu'il a devant nous, Kankou et Milan Dimé, qui sont parlé de l'IA. Il y a tout Gabriel Harold Sévère, il y a Annette Auguste et Sohan, que tout le monde connaît, il y a Franz Camille, il y a Jeudi Jean-Daniel, Mackenton Michel, tous ces merci Dieu, Mérité et Demsley Millien. Tout ce ensemble de personnalités qui étaient indexées dans le cadre d'instruction que le juge d'Abrésil a mené lui-même. Combien de gens nous ont parlé devant la justice? Combien qu'il l'a toujours? Bon, il n'y a pas de chance de paraître, mais il y a Mackenton. Son nous parlait en pile de la presse, Mackenton. Qui était retourné, c'est justement dans le cadre de coopération avec la police au niveau international, particulièrement en Argentine, qui fait qu'il était capable de retourner en Haïti avec elle. Côté, dans le procès Jean-Dominique, il est capable de jouer un rôle pour jouer. Le juge là, il était un temps, mais attends, il était un temps pour des témoignages, non, mais monsieur, jusqu'à présent, en tout cas, il a parlé avec monsieur déjà. Mais, côté, je voulais arriver, c'est que moi, je dis que, auteur intellectuel, là, et le travail que le juge Yves Kelda Brésil a gagné, justement, c'était joindre auteur intellectuel. C'est ça, comme si dans l'ordonnance, juge Bernard Saint-Villa, juge d'instruction Bernard Saint-Villa, qui était justement. Michel Montas a fait appel de l'ordonnance pour quelle raison? Parce que justement, il y a un auteur intellectuel qui n'est pas là-dedans. Et c'est auteur intellectuel que M. Vicel de Brésil, comme je disais. Où dit là? Est-ce que vous connu? Bon, je ne parle pas là. Moi, je dis que Oriel Jean, et il y a l'autre information qui concorde dans le même sens. Et je parle de l'autre monde qui te parle dans le dossier qui baille des informations. Et information ça, contrairement à ça, nous, des gens qui pensent, information ça, consigné. Comme si ce n'est pas au bagage pour l'inventer, même si il y a des gens qui parlent là, on dit que tuer Oriel Jean, moi, je pense que c'est en contact, c'est en relation avec le dossier Jean-Dominique, là, que Oriel Jean mourit. Mais Oriel Jean parle avec juge là. Il te parle avec nous tendre toute déclaration. Bien. Mais moi, ça me donne à me préciser. On fait ça rapide. Parce que ancien président Jean-Bert Aristide, Gon Bagay, d'après Oriel Jean, expliqué, il dit effectivement qu'il y a un problème de cause PEP, tout que tu as parlé, qui était estomaqué là-bas. Côté, et affaire cause PEP là, René Préval, Jean-Dominique, Charles Suffra, M. Apmach dans toute province, mobiliser les gens, et paysans, fin bois gaz, etc. Un gros mouvement et M. Aristide n'a aucun contrôle là-dedans. Donc, il dit tout ça à son cause. Il y a tout à fait politique, là, purement politique, comme si de question pour aller reprendre le pouvoir. Tout ça aussi des causes qui menaient dans la mort Jean-Dominique et moi-même, en clair, à la lumière de tout ça, dit là, de tout ça qui est ordonnance juge d'instruction. Et moi-même, il faut me dire, nous, juge d'instruction, moi, je comprends. Moi-même, j'ai privilège, comme si tout juge, nous toujours. Et à travers la commission pour capter un journaliste assassiné, et comme responsable sur les journalistes, comme monde qui est intéressé, qui travaille dans le dossier, il y a des bagailles, juge pas la même. Très bien. Mais, je ne vais pas venir là, mais vous êtes capable de comprendre, un juge qui a fait son dossier, il y a un côté pour l'aller. Il n'y a pas de problème, non? Mais il n'y a pas de problème. Mais il dit, l'elfine arrive là, ça le faire. Très bien. Il y a une famille. Par exemple, le juge Vicel de Brésil, il y a la Cali, il tire un coup de zam, la Cali. Il a tué un chien la Kaili pendant ce temps, famille en deux Kaila. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais obligé de partir, quitter le pays à l'étranger. Donc, comme si l'heure n'a pas garanti ça, ou pas dit, comme si le juge lui-même l'a gardé. Mais l'heure du jour, par exemple, Milan Dibérus, c'est auteur intellectuel là. Alors, il connaît, oui, qui est qui baille Milan Dibérus, instruction. Témoin dit l'île, et lui-même, il parle avec tout ensemble de monde. Quand il a gagné les malins, même qui voit qui côté pour l'aller. Mais, quand il y a M. Jean-Bert Aristide vient devant dans le cabinet d'instruction, ou est-ce qu'on brite, qui l'obéit, qui est dans la rue. Imagine le juge a dit, mon cher, et selon toute information, mais qui décision lui prend là,
et vous êtes obligé d'être là à la disposition de la justice, etc. Mais il faut le dire là. Toujours est-il. Juge même, sauf le faire. Très bien, et toujours est-il que décision pour qu'on finisse prendre d'ailleurs dossier au niveau de la Cour de cassation. Je vous dis à Jacques, Cour de cassation pas complète. Et en plus, tout par rapport avec tableau que Guizot a peine là, il montre que dans pile difficulté et vraiment pile obstacle et en ce qui a trait à l'aboutissement de ce dossier et d'assassinat de Jean-Dominique, AJH, bien intérêt dans le dossier à tout comme corporation qui défend les journalistes. Est-ce que nous avons des démarches que nous faisons à travers les ans pour nous permettre que le dossier ait avancé? Et est-ce que nous avons l'autre démarche tout que nous allons entreprendre? D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de cas Vladimir Le Gagnon, là, le fait que nous avons saisi quelques associations internationales de journalistes, est-ce que ça a toujours à l'ordre du jour dans le cadre du dossier Jean-Dominique là? Son dossier qui est devant la justice, son dossier qui a une ordonnance qui soit sur les déjà, son dossier. Il y a deux ordonnances qui sont sur les déjà, sont devant le juge de la cassation, qui est la plus haute instance judiciaire qui gagne dans le pays. Nous-mêmes, comme responsable association, c'est suivre avec vigilance les décisions qui sont sorties, continuer à accompagner les pressions qui sont faites pour permettre que la Cour de cassation statue sur question après 18 ans, que tout journaliste, toute corporation en général attendent vraiment que gagne un procès qui fait dans le cas d'assassinat de Dominique. Assoyer n'a fait ça n'a rien une réhabilitation de mémoire Guy nous gal gagner pour nous tourner sur lui parce que quelque part nous gal font point de droit en dans émission Assoyer à travers intervention maître Claudie Gassan juriste donc on est Claudie Gassan était commissaire gouvernement pendant période donc son monde qui vraiment connaît dossier de jurisdiction tout donc ça va permettre que nous vivre plus loin et nous retourner à Guy pour venir porter éclaircir pas et surtout après nous capable dire intervention maître Claudie Gassan que nous pensons qui est extrêmement important comme juriste en dans émission ça Assoyer ou même qu'il a carré suivre avec nous maître Claudie Gassan qui va intervenir Kounia dans Haïti 360 3 avril 2018 où est-ce qu'on en est. En réalité, nous pas bouger. Si dans le dossier a quelques pas qui fait en termes d'enquête, mais après que par ça yo finalement été un seul côté, yo pas gagné pas en plus qui fait, pas gagné l'autre effort qui fait pour que ça tout simplement c'est un dossier politique, c'est un dossier éminemment politique, c'est un dossier qui a été exploité politiquement s'agissant d'un crime politique. En tant qu'ancien juge d'instruction et qui travaille sur le dossier, ça, la très difficile, je vous dis, m'a dit même impossible pour me dire au monde, mais qui ça que moi, on était ouais dans le dossier, ça, mais qui ça que nous t'ai fait, et mais qui ça que nous t'ai eu. Et c'est même un risque pour t'as dit qu'on est, parce qu'on risque de mourir. Et j'en m'ai dit tout à l'heure, le dossier a révélé la crainte des juges. Moi-même qui t'ai par exemple, fait des efforts dans le dossier ça, dès qu'on est l'exil, par exemple, c'est 5 ans d'exil, et ou après que tout juge qui vient soit avant ou bien après mieux, vont crainte pour qui ça? On craint que moi-même, j'ai gagné tout, mais malheureusement, moi-même, j'ai compris une question différemment. Ce n'était pas le dossier de Jean-Dominique, c'était le dossier de la justice. Et par rapport à la sensibilité pour la question de justice, j'ai pris des risques, que j'ai payé 5 ans d'exil, que l'aime quelques temps plus tard m'a expliqué qui s'est passé dans temps exil moyen et que m'a pas souhaité et ça arrive l'autre monde mais à pas de crainte ça que nous jeune cas juge je crainte pour qui ça comment expliquer le grand crainte côté que y a une chance m'a pas renouvelé grand crainte côté que y a une chance pour être évoqué surtout à l'époque pas de CSPJ les juges demandaient par exemple de l'exécutif donc tu as crainte ça gain crainte tout pour vie. Nous avons que des témoins dans le dossier ça dès le départ qui a tombé gen moun nou konnen ki mouri la dan gen moun nou pa konnen tout mais qui mouri dans le dossier ça donc on crainte côté que on peur pour vie tout et gen crainte pour l'avenir ça dit que son dossier si par exemple on juge ou prend décision après soit fin ou moun ki prend exil moun ki mouri moun ki maron et pression k'ap bay moun ki perdi job yo et son dossier ou après que juge yo on dit j'en peur approcher mais son dossier tout qui mandait en pile volonté politique, ce que nous pas ouais jusqu'à journée aujourd'hui, parce que pour qui ça? Si donc c'est ça, on arrive à un résultat là-dedans. On prend l'objet d'un résultat pour l'autre, et qu'on peut le mettre, ça arrive, c'est la mise en danger de nos hommes politiques. Ça veut dire qu'on peut mettre tout les politiques dans une situation difficile, côté que plus aucun pouvoir, en pile fois, il faut qu'il fasse crime.
puis aucun des pouvoirs faut commettre des infractions tant qu'on vole piller caisse l'état tant qu'on des assassinats tout soit pas question Petrocaribéa toute équipe l'agence a ouais cap disparaître tout autant qu'aucun des justice là en bas pied pour qu'il y a marché sous les non situation d'assistana les plus bon pour tout nèg qui dans pouvoir que le passé que le présent probablement futur l'a toujours plus bon pour yo parce que yo pas gain compte pour yo rendre le dossier de Jean Dominique. C'est un dossier qui montre que, au grand jour, la couleur ou les couleurs de l'impunité, c'est une culture d'impunité et c'est ce qui caractérise l'échec de ce dossier. Si c'est pour procès, il y a toujours un procès, car on parodie, il y a qu'à faire pour faire mon riz. Et quel que soit le jour procès, Jean-Dominique l'a fait là, je connais si c'est pour faire mon riz ou bien. Si son dossier, tout, si son procès, tout bon. D'ailleurs, vous connaissez la petite histoire. Et majorité de documents d'enquête, ils disparaissent dans la Cour de cassation. Vous avez un gros scandale sur ça, etc. Et vous avez joué tout, changer juge, retourner avec juge, mettre juge. Vous même à l'époque, vous avez trois juges, dont Bernard Saint-Ville, par exemple, qui se doit à un tribunal civil pour Port-au-Prince. Donc, nous sommes capables, par exemple, dans le cadre d'une interview, nous faire avec lui, gardez pour nous. Qui résultat, qui. Que juge bail que juge ça bail qui fait jusqu'à journée aujourd'hui revenu dans ce système là est-ce que c'est parce que participer dans la culture d'impunité ça fait que toujours juge toujours là est-ce que c'est peut-être ça fait mandat toujours renouvelé sous aucune base donc avec magistrature qu'on gagne là au pas gain justice non seulement pas gain pour Jean Dominique mon pas gain pour personne l'autre qu'on encore en plus avec type de dirigeant qu'on gagne là regardez dans l'état. Ou regardez dans trois pouvoirs l'État, vous regardez qui moun ki la dan yo, le modèle d'aujourd'hui, c'est le délinquant. C'est le délinquant qui est le modèle. Donc, là, très difficile pour que je ne jodi an, ou joigne des dirigeants qui mettent des politiques publiques, des politiques de justice en place, qui pour permettre que y ait des enquêtes qui menaient à bout. Et puis, la police est incapable de mener cette enquête aussi. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, n'a pas rappelé, on va suivre l'émission pour la Haïti 360, n'a pas débattre avec Guy Lerce Delva et Jacques Desrosiers. Et bien, autour de question de la mort Jean-Dominique, mais tout le monde passer rapide sur la mort Vladimir Le Gagneur, ou bien éventualité que Vladimir Le Gagneur lui-même a mouru par rapport avec un disque qui est déjà disponible au niveau de la DCPJ. Et Guy Lerce Delva et M. Claudie Gasson, on a attendu l'ensemble avec nous. Il y a une parole qui parlait, il mettait accent sur le fait que le dossier est un dossier qui est éminemment politique, il mettait accent tout sur le fait que le problème qui est dans le système judiciaire n'a pas permis vraiment que je vous dis à un tel dossier arrivé à aboutir. Il n'a pas parlé tout d'une série de monde, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport avec la puissance politique que vous gagnez, et bien vous même, je vous dis à presque bon régime d'impunité qui est établi pour vous. Par rapport avec toute analyse ça, qui gère nous pour arriver à débloquer le dossier ça et permettre que justement que y aboutit. Bon, bah, comme on n'a pas de temps, parce que je n'ai pas de temps pour dire tout ça. On a rapide de profiter de ça. Mais même je fais un rappel. Des formations que je connais, que moi-même, comme Simdadio, je connais bah, de première main. Que ou le témoin, je prends bien ça en vous. Que monsieur. Jean-Bertrand Aristide, d'après Auriel Jean, même t'es là tout. D'après Auriel Jean, c'est Jean-Bertrand Aristide, t'es voyel, même t'es que la parole qui m'a dit t'es voyel, même t'es ouel, vini dans l'école magistrature, pote un dossier, bail une autorité dans la justice pour quitter, montrer qui moun pour mettre dans le dossier Jean-Dominique. Là. Comme si Léopold Bélanger, faut te mettre dans Léopold Bélanger, des bagages comme ça, ça c'est bagage comme si moi-même t'es là. Le que Auriel Jean t'est venu, laisse-moi te voir Auriel, Auriel Bamako là, dit mon cher Guilherme, bah, c'est là, etc. Il est venu régler, etc. En dedans. Après lui, même encore, il peut expliquer ce qu'il est venu faire. Laisse-moi te l'âme de Well. Ok? Donc, c'est juste pour me dire que des gens qui, dès le départ dans le dossier, ont intérêt, qui ont cherché à couvrir, qui ont cherché à détourner, qui ont empêché les gens, par exemple, Claudie Gasson, qui est juge Claudie Gasson, on t'a dit ça, ils sont obligés de prendre exil. Parce que l'Elvin, non seulement ils ne viennent pas renouveler, mais. Il n'y a pas de compliquée situation pour l'obliger de courir parce qu'il était payé pour qui ça. Ce n'est pas pour rien. Mais pour qu'on y a bon venu sur le cours de cassation. Effectivement, depuis 4 ans, le dossier a bloqué dans le niveau de la Cour de cassation.
et c'est Milan Debeus qui font une demande d'accusation. Il dit qu'il ne veut aucun juge dans le coup d'appel de Port-au-Prince tant de dossiers. Il faut que vous ayez dans province. C'est une bêtise. Ce n'est pas que le con est après le fait, mais c'est dilatoire à chercher. Elle joue un dilatoire pendant 4 ans. Bon, son principe juridique. Bon, pas de problème, pas de problème. Mais moi-même, dernièrement, l'homme de rencontré avec le président de la République, M. Jovenel Moïse, j'ai posé la question pour qui ça, coup de cassation, pas complet. Parce que je connais le Sénat, il y a des noms, je vois le président Dim, que effectivement, il y a des noms recevoir, mais il y a deux autres noms qui manquaient. Et pendant que je suis là, tout, dans le bureau, littéral, le président Lambert. Il était parlé ça avec elle et il dit moins dans un mois, environ un mois, question ça supposé capable de résoudre. C'est ça, président Jovenel Moïse dit, mais je souhaitais que ça fait. Pour dossier, pour ne pas avoir aucune excuse pour juge de cassation, je ne pas gagner moi et pour travailler sur lui. Parce que le problème qui passe, il y a des juges qui étaient dans le coup d'appel, ils ont vu une promotion aller dans le coup de cassation, mais le juge qui travaille sur le dossier pas de l'appel, il n'y a pas qu'à la cassation, il va juger le même bagage qui était fait déjà au niveau appel. Robin qui fait que le problème technique qui posait, que le juge de cassation explique. Mais l'autre bagage, il y a l'autre membre toujours qui va souhaiter travailler sur le dossier, qui fait qu'il n'y a pas qu'à une composition qui peut travailler sur le dossier normal parce qu'il n'y a pas complet. Si il était complet, il n'y a pas suffisamment de juge. Donc, m'espérer ça après le fait. Et une fois ça fait, le dossier après le retourner, et moi, nous souhaitons ça, nous espérons ça, dans le coup d'appel de Port-au-Prince, parce que nous avons dit là, tu as fait, pour que le coup d'appel de Port-au-Prince soit capable de statuer sur le dossier. À travers un arrêt ordonnance sous rapport juge d'instruction Ivikel Dabrizila. Et après ça, il y aurait des possibilités profondes pour l'autre pouvoir cassation, si vous souhaitez, si vous trouvez nécessaire. Mais après ça, c'est ça que tout le monde connaît. Après ça, c'est procès après la fête. Pas que vous ne pas boire là-dedans. Ce n'est pas au monde, ni groupe, monde, ni même un juge qui va décider de faire procès. Toute voie de recours finie, procès. Et procès après la fête, pour jouer un auteur intellectuel. Certainement qu'il y a des auteurs matériels, il y a des gens qui doivent mourir, c'est vrai. Mais auteurs intellectuels, les gens qui ont chita pour planifier l'assassinat de Jean-Dominique, ils sont là. Alors, il faut rappeler tout que l'ordonnance de juge Ivikel Dabrizila, il faut nous dire que nous avons gardé l'émission dans le moment ça. C'est pour l'ordonnance qui fait là à hier. C'est une ordonnance qui est là depuis 2014. Oui, 2014. Depuis janvier. Donc, ça veut dire pratiquement 4 ans, l'ordonnance rend, et jusqu'à présent, Jean-Guy Dabdilla, par rapport avec une mesure dilatoire ou bien par rapport avec une mesure en récusation. Eh bien, que demande d'accusation que Milan Debeus a fait devant les cours de cassation, eh bien, jusqu'à présent, le CA lui-même est bloqué. Pas qu'à une composition de cours de cassation, de juge de cours de cassation, eh bien, qui a statué sur lui. Jacques Desrosiers, même par rapport au symbole. Mais, non, une seconde, pour me dire que juge Claudie Gassan dit, en tout cas, M. Claudie Gassan, et moi-même, contrairement à ça, M. Claudie Gassan dit, il faut que nous. Apprécié et fort que juge Bernard Saint-Ville ait fait. C'est la première ordonnance qui sortit dans le dossier. Et c'est la première ordonnance qui fait appel de lui, certainement. Il y a un bon élément là-dedans que juge Vicel d'Abrésil. Kembe, il y a un travail qui a été fait. Nous devons noter que maître Bernard Saint-Ville, c'est le premier juge. Il y a un bon qui a été passé avant. C'est le premier juge qui a encouragé lui rendre l'ordonnance. Alors, Jacques Desrosiers n'a pas tourné à la question, hein, avec qui dit on interrompt nous. Et dis-nous, même par rapport avec le symbole que Jean-Dominique représentait dans la presse, et par rapport avec le symbolisme qui vient autour de dossier ça, pour permettre que les journalistes soient capables de fonctionner à tête frette dans l'exercice professionnel. Parce que vous connaissez un pays, un État qui a protégé la liberté, ou même j'ai protégé la liberté de tous les citoyens, il faut que le dossier ça arrive à aboutir. Nous disons déjà dans le commencement de l'émission, nous disons que oui, nous voulons un procès. Même les mêmes gens avec M. Koudiga Gassan. Nous n'avons pas de possibilité vraiment pour un bon procès fait là par rapport à des éléments que nous avons avancés dès le départ. Il y a d'autres éléments que M. Claude Gasson a cité là qui montraient que jouer un bon procès sur Jean-Dominique là, il y a un peu de difficulté là-dedans. Mais nous disons qu'il faut qu'il y ait un procès qui fait. Il y a un procès pour la corporation, il y a un procès qui, pour lancer un signal à un monde qui a planifié le crime dans le pays, pour qu'on ait que Yoka, n'importe qui, le paraît devant le tribunal. Il y a un procès. Il faut qu'on procès qui fait pour qu'il y ait des paroles vraiment qui méritent de parler. Et c'est dans le tribunal pour parler. Et ça veut dire que oui, nous étions croyés qu'il y a une possibilité pour un procès sur la question de Jean-Dominique Lan. Mais cependant, il y a un procès qui permet vraiment d'identifier les vrais auteurs vraiment de l'assassinat de Jean, du double assassinat du 3 avril, que nous avons toujours été là. Beaucoup well par rapport à tout élément. Ça m'a avancé avant et ça m'a ajouté au fait que plus
sceptique sur un procès vraiment, un vrai procès, un bon procès de Jean-Dominique. Mais moi, pour quand même, un procès dans le cas assassinat de Jean-Dominique. Alors, nous allons conclure, Guillaume Sedelva, et nous allons donner une émission, vraiment dernière ligne droite là. Et... Parce que comme nous bagaille tout, nous allons faire la conclusion. Mais moi, je pense que c'est un procès qui permet de jouer un auteur intellectuel. Ça, moi, je me convainc. Très bien. Alors, Guillaume Sedelva, très rapidement, dis-nous. Qui prochaine démarche on va le faire parce que nous sommes très impliqués dans le dossier pour permettre justement de déblocage la fête, d'avoir tout conclu avec l'intervention. Bon, démarche la fête, c'est ça que nous toujours à faire, c'est-à-dire pour mettre pression sur le système, non? Même si mon affaire dilatoire pour nous arriver à la conclusion du dossier. Qui c'est un procès côté pour nous joindre, nous avons qui planifié surtout pour assassiner Jean-Dominique et de tout élément qui l'a pour ça, qui montre qui nous. Qu'elle planifié, qui chita qui décidé, faut que ferme bouche Jean-Dominique. Moi me clair sur ça. Et si quelqu'un qui va clair, quelqu'un qui va clair. Moi me clair sur ça, je pense que il y a des instances de la justice. Gon Jean pour faire me comprendre, mais yo clair sur ça, yo ouais qui côté l'homme Jean-Dominique sorti et me tout nous saute tout ces deux éléments là qui clair. Pas gain ou ces deux doutes là-dedans, il y a des monde qui décidé faut que Jean-Dominique mouri et yo décidé de faire bouche, Jean faire maintenant et yo doit capable juger. Mais contre le procès, c'est dans le procès, juste pour jouer procès, ou bien jouer ça au procès, pas le fait là, c'est plus gros moment instruction lié tout en même temps. Nous, l'avocat, quand même, la connaît, mais Claude Garçon connaît ça, m'a bien. C'est-à-dire, tribunal, là, les CG, les carrés, tout le monde, les juges nécessaires, qui a venu devant pour venir répondre. Si nous n'a pas venu, il a ordonné que nous menions, nous n'avons pas contraint pour mener le devant. C'est-à-dire que, la question a toujours été ouverte, même si. Non, instruction, il y a des gens qui ne pas indexés, ou bien pour raison pour l'autre, juge des peur. Mais les tribunaux à la CG, ils ont l'autre bagaille, dans le sens que ils ont invité tout le monde, et y compris des gens qui ont cabré, forcé à venir, si ils n'ont pas tablé venir, pour venir jouer, qui a fait. Je pour poser des questions, et puis pour nous conclure. Oui, donc on me dit que mettre gaz à ce pays-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est juge d'instruction. Ancien juge d'instruction, c'est un juge, pour pas dire, une juge qui a en pile moyen, là, même que je dis à la demande pour juge. Après une déclaration qui est faite là, c'est un qui compte dossier. Qui compte dossier, ce n'est pas n'importe qui qui parle de dossier, mais le compte dossier, et c'est juste qui a plus moyen. Là, même. Et à l'époque, tout était plus volonté politique, tout à l'époque, et Claude Garçon pour faire dossier avancer. Donc, ça le dit, là, c'est Marie qui pour nous Kimbe. Avec une en pile importance par rapport à des gens qui comptent dossier et époque que le tap fait enquête, tap mené enquête. Gain évolution de là. Parce que j'ai information que monsieur Batou. Je dis là, monsieur Batou, pas la gueule. Monsieur, je connais que parole en pile et n'a pas gain pour nous retourner sur la question procès ça éventuel de sous question de la mort Jean-Dominique. Mais à ce moment-là, nous avons mis un bout dans l'émission. Nous remercions vous-même qui te permettent que nous entrions la caillou pour nous partager et nous faire lumière ensemble avec vous. Je nous dis, en espace, nous avons fait ça, les promotions de la connaissance utile. Nous avons façon pour nous aider à la démocratie, pour nous tout bon vivre dans le pays et pour nous monter sur route état de droit. Monsieur, merci en pile. Une prochaine fois, j'espère que nous avons toujours dans le débat. Merci. Merci en pile. Bye bye tout le monde.